joyeux, joyeux, joyeux Noël, joyeux, joyeux, joyeux Noël, joyeux, joyeux, joyeux Noël à tous nos petits amis. À la maison. Pas une chanson de Noël, pas en fait. Non, mais j'en trouvais vraiment bonne, puis on n'est pas démonétisé. Noël, fait que... Ben oui. Parce que c'est presque Noël, et comme on parle de Noël, on parle bien sûr aussi de... Tradition. Bon, de tradition. Et comme tradition, on a maintenant, depuis quelques années, notre fameux bas de Noël, qu'on remplit de bonheur, pour jeu, plaisir, amitié, fraternité. Exact. Fait que c'est des suggestions, 10 suggestions de petits jeux abordables qui rentrent bien justement pour une petite attention à un collègue, un ami, un membre de notre famille, un ou une amie, puis ça... Puis même les gens qu'on n'aime pas, peut-être c'est une façon de venir faire une trêve. De leur offrir un petit jeu. Alors, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'idées pour vous, mais votre première idée cadeau devrait être de subscribe à notre chaîne, mes chers amis, afin d'avoir tout le temps nos petites faces, surtout dans le temps des fêtes. Qu'est-ce qui peut te rendre plus heureux que ça? Alors, on y va tout de suite, en 10e place, mes chers amis, un jeu qui en fait rager plus d'un. That's not a hat! Bravo! Bravo, gars, tu vois, est-ce que je suis la seule qui... Parce que c'est ça, je pense que that's not a hat, ça divise beaucoup, beaucoup les gens. Il y a des gens qui raffolent, il y a des gens qui trouvent ça trop simple pour ce que c'est. Je les comprends pas, mais c'est pas grave. Fait que vous rangez de quel côté, vous? Je me range du côté de... C'est depuis The Mind, le jeu que j'ai le plus ri dans ma vie. Il y a une carte qu'on a devant nous qui représente... Un élément niaiseux. Un petit élément, un oiseau, une tasse, un marteau, quoi que ce soit. Alors moi j'ai ça. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais le passer à la personne soit de ma droite ou de ma gauche, mais face cachée. Et je vais lui dire qu'est-ce que c'est. Et cette personne-là va me passer aussi quelque chose plus tard. Et donc, on finit par se faire passer un marteau, se faire passer une horloge, un sapin. Puis là, Mané, t'oublies, c'est quoi? Il y a juste 4 ou 5 cartes autour de la table, mais malgré tout, des fois, tu oublies ce que tu viens de recevoir, tu mens, la personne peut dire « Non, moi, je pense que tu n'as pas raison. » Et à ce moment-là, on regarde si la personne n'a vraiment pas raison, eh bien, elle perd un point, puis le but, ben, c'est de ne pas perdre 3 points. C'est ça qui est le fun, ouais. C'est tous ces instants d'hésitation-là, de capter dans l'œil de l'autre s'il ment ou non, c'est exceptionnel. On y va! En 9e place, Nymalia. Un petit jeu puzzlesque dans l'univers des animaux. Oui, c'est très intéressant. Ça m'a fait penser un petit peu aux mécaniques peut-être de Cascadia. Okay. Oui. Ceux qui ont déjà joué. Donc, on essaie de créer des ensembles d'animaux selon certains buts. Mm-hmm. Puis, c'est vraiment intéressant parce que les buts vont changer aussi, vont varier au fil de la partie. Fait que tu as des objectifs à court, moyen et long terme. Mm-hmm. Puis, tu empiles les cartes avec, c'est des quadrilatères. Là, donc, tu as 4 espèces d'animaux sur les... Puis tu les empiles de différentes façons. Fait que parfois, tu vas avoir comme « Ah, oh, ça va me faire une grosse zone pleine de pandas. » Là, t'es comme « Ça va être super payant! » Mais là, t'es comme « Ah, oh, mais si j'empile ça ici, je casse ma zone de pandas, mais en même temps... » Mais je vais faire plus de points en mi-game. Puis ça joue bien en famille aussi, parce que c'est juste ça, les règles. C'est juste empile des cartes, place-les, essaye d'accomplir les objectifs. Fait que moi, j'ai joué, par exemple, avec ma fille qui aime beaucoup les animaux, puis ça a bien fonctionné. C'est un super beau puzzle. Fait que non, je trouve que c'est un beau petit jeu passe-partout. Super bien édité, il est le fun. Oui. Puis justement, il rentre très bien dans une boîte, il est tout beau, tout cute, puis prêt pour aller dans ton bon Noël, Internet. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? On... Focus! C'est dangereux, les bonnes Noël! Dangereux. Petit jeu d'Antonin Bocara. Mais là, j'arrête pas de dire petit jeu. C'est tous des petits jeux. Fait que là, c'est pléonastique de dire ça. C'est ça l'idée du Bonne Noël. Et c'est pas parce que la boîte est petite que c'est pas un grand jeu non plus. Exact. Alors, focus, petit jeu de Antonin Bocara et Romaric Gallonier. C'est un jeu un peu à la Codenames. Le but, c'est que c'est un coopératif à 2 joueurs. Mm-hmm. J'ai parmi les cartes qui sont autour de la table, j'ai une carte qui représente ce que tu veux faire deviner. Et toi, même chose. Il ne faut jamais éliminer la carte de notre ami, ni que notre ami élimine notre propre carte. Mm. Et comment on fait pour lui donner des indices? C'est en prenant d'autres. Fait que tu prends une carte, puis ça veut-tu dire que ça représente plus ma carte à moi? Ou peut-être que je veux l'enlever, je veux l'enlever parce que je trouve que c'est vraiment loin, mais que ça pourrait porter à confusion. Mm-hmm. Chaque décision dans ce jeu-là, c'est au poil près. C'est tellement... Je pense que c'est un jeu minutieux. Ouais. Tu regardes tous les détails, puis des fois, un micro-détail, tu prends une carte, puis tu fais comme... Ah, il va le comprendre tout de suite. Il va tout de suite arracher la carte qui est la tienne, puis tu fais « Pourquoi t'as arraché ça? » Puis la personne est comme « Ouais, c'est parce que là, t'as pris un truc en métal. Ça veut dire que ton truc n'est pas en métal. » Je suis comme « Mais non, mais c'est... Je l'ai levé parce que... »
Ici, c'est 3 pour le prix d'un. 3? Ben pour l'instant, sont à 3, c'est les Paws Legend. Mais est-ce que c'est du chocolat, Raphaël? C'est pas du chocolat. C'est des petites aventures dans l'univers de Merlin, de Robinson et de Sherlock Holmes. Oui. Encore, on s'en sort pas de ce Sherlock Holmes-là. Mais où, dans le fond, c'est Yoann Levet. Si vous avez aimé Turing Machine, il y a un peu ça. J'ai l'impression que Yoann Levet, plus je joue à ces jeux, plus je suis comme... Je commence à connaître où est-ce qu'il s'en va dans ces jeux. C'est des puzzles logiques. Ouais. Exactement. Mais avec des cartes. Fait qu'on va avoir 4 cartes. Il va falloir les agencer pour que ça fonctionne avec à quel niveau on est. Et là, ça a l'air vraiment abstrait. Seul l'est quand on le dit, mais quand on y joue, on rentre rapidement dans l'envie d'aller faire l'autre défi, puis l'autre défi, puis l'autre défi, puis l'autre défi. Puis là, ça fait 2 heures que tu joues sur ta table, t'es comme... OK, cool! Chaque scénario se joue par étape. Donc, au départ, vous avez très peu de cartes en main. C'est un peu tutoriel. Puis ça joue en 2 secondes, la première étape. T'es comme, oh, je comprends la logique. Là, ça t'en ajoute de nouvelles cartes. Puis de nouvelles cartes qui vont graduellement nourrir l'histoire, mais aussi monter en difficulté. Fait que les premiers scénarios sont vraiment simples, mais permettent de vraiment rapidement comprendre c'est quoi les enjeux du défi, du puzzle avec lequel tu vas jouer. Et dans chaque boîte, c'est ça. C'est pas, il n'y a pas une boîte initiée puis une autre boîte. Non, c'est dans ta boîte, quand tu la prends, tu commences, c'est très simple et ça va décupler en difficulté dans la même petite boîte. Mais c'est ça, qui est fascinant, c'est que c'est autosuffisant à ce point-là, puis aussi clé en main pour une aussi petite boîte. Beaucoup de choses se passent là-dedans, mais ça peut se trimballer n'importe où. Fait que c'est vraiment, vraiment super. Mais no dice! Ben oui, ça c'est un de tes jeux préférés, non? Ouais. Mais ça me t'a vraiment trippé là-dessus. Ouais. Non, mais c'est vrai, puis c'est le fun parce que je fais comme, t'aimes ça? Moi aussi, j'aime ça, fait que je vais en parler. Fait que oui, Mino Dice, dans le fond, c'est vraiment comme... ils disent un jeu de plis avec des dés, mais c'est effectivement ça. Ça va être de voir un peu avec les dés qu'on a, les possibilités, les statistiques, de voir si on est capable de remporter des levées de plis. C'est ça qui est formidable parce que dans des jeux de cartes, ça nous arrive vraiment souvent, dans des jeux de dés, jamais. Alors, on brasse des dés, puis on se demande combien je pense que je suis capable d'en gagner cette fois-ci. Fait que ça combine ce qu'on aime des dés, ce qu'on aime des cartes, avec un petit visuel pas piqué des verres. C'est vraiment une réussite, on va se le dire, là. Alors, moi, c'est le jeu que j'ai le plus joué dans les derniers temps. Mino Dice est un jeu qui vient vraiment chercher l'aspect gambler en moi, de faire « je vais être capable d'avoir 4 levées avec les petits dés de marde ». Et finalement, ben avec un dé que tu t'attendais pas, qui est le dé le plus poche de la gang, le fameux gris. Je pogne un 7 et j'ai 5 levées au lieu de 4. Je viens de dépasser. Je pense qu'il y a quand même une différence majeure avec Skull King, qui est un jeu de cartes qui utilise les mêmes mécaniques. C'est que les dés... Il y a comme un aspect où tu peux un petit peu moins les prévoir. Tu as des chances de calculer les probabilités. Ouais. C'est ça qui donne la petite épiche. Far Away, jeu de Yoannes Goupy et Corentin Lebras. C'est un jeu vraiment... Qu'est-ce qu'il y a là? Ça nous fait toujours penser à la toune. Oui, c'est ça. Far away. Ricochet, take the game. Alors, est-ce que vous y avez joué? Oui, on a joué à la version proto. Puis là, on a la version finale qui arrive. Ce qui est vraiment intéressant de cette séquence de cartes-là, c'est de préparer un voyage. Mais il faut que tu penses à rebours, c'est ça? Oui, puis à toutes les contraintes que ça engendre. Parce que c'est vraiment de désactiver ton cerveau. Parce que ultimement, on est toujours en mode lecture, c'est-à-dire du point A au point Z, mais là, du point A, de la lettre A à la lettre Z. Mais là, il faut que tu déconditionnes ton cerveau pour faire non, il faut que tu penses que ça va reculer. Moi, c'est ça que je trouve qui fait son unicité, sa particularité. Puis ce qui fait que ça diversifie aussi ce genre de jeu-là. Fait que ça vaut full la peine de s'intéresser à cette mécanique de jeu innovatrice, je trouve. C'est vraiment un jeu où est-ce que on va mettre des cartes en avant de nous pour faire justement une séquence. Ouais. Et ta première carte va te dire, ben écoute, tu vas réussir à faire 15 points si tu as 3 plantes. Ouais. Fait que là, tu vas aller chercher des plantes. Mais tu veux voyager des plantes. L'affaire, c'est qu'à la fin, ce qu'on fait, c'est qu'on revire toutes les cartes et on recommence par la dernière carte. Donc, la dernière carte, on va faire, OK, là, si tu fais 15 points par plante, j'en ai pas de plante. C'est la première carte. Oui. Et on y va avec une deuxième. Ouais. Là, t'es comme, ah là, j'ai une plante. Mais ça n'a plus rapport. Fait que c'est ça qui est drôle, c'est de vraiment changer la façon de penser à ce que tu fais, c'est pas l'arrivée, c'est tout le chemin parcouru qui est important. Mais c'est un beau message que la vie nous envoie aussi. En 4e position, potage sauvage. Ça a l'air cute. C'est ça. Mais c'est violent. Reinhard Knizia, illustré par Jérémy Fleury. Potage sauvage me fait mourir de bonheur. Genre, c'est vraiment un petit jeu pour le temps des fêtes. Je trouve ça chouette en famille.
C'est un jeu où c'est nous-mêmes qui nous donnons notre façon de scorer pour cette manche-ci. Ouais. Mais les autres le savent aussi. Mm-hmm. Ils sentent arriver. Fait qu'ils vont essayer de justement fucker ton potage. D'où la violence. Parce que c'est ça, ultimement, t'essaies de toujours comme travailler pour ton dû, mais tes collègues veulent t'enlever ton dû et gagner eux autres. Alors, ben, comment ça se joue? Ben, c'est très simple. On commence par se choisir le fameux défi qu'on a pour cette manche. On a le choix entre 4, non? On a le choix entre 4 ou 5, ouais. Là, je m'en souviens plus par cœur. Et ce défi-là, c'est cette façon-là qu'on va scorer. C'est ces cartes-là qu'on va scorer. Donc, moi, mettons, je fais un point par toutes les cartes vertes. Mmh. Mais je vais faire moins un point pour toutes les cartes poissons qui vont être dans mon potage. Et là, après ça, c'est ça le jeu. C'est un jeu où est-ce qu'on va mettre une carte, puis une autre carte, puis une autre pli, carte. À quelque un part. Jeu de pli. Mais le jeu de pli n'arrête pas une fois qu'on a fait le tour de la table. Il va arrêter une fois qu'il y aura 10 cartes. Mais pas 10 cartes, mais un score de 10. Mm-hmm. Et il y a certaines cartes qui vont faire descendre le score. Il y en a d'autres qui vont le faire monter très vite, d'autres doucement. Stagner aussi. Au moment où est-ce que ça arrive à 10, c'est toi qui prends le paquet. Fait que t'essaies des fois d'avoir un bon paquet de verre. Puis là, il y a quelqu'un qui va te mettre du poisson, puis il y a peut-être un peu trop de poisson. Puis là, t'es comme, là, ça va me faire beaucoup trop de points malus. Fait que je vais redescendre ça, parce que je le veux plus, ce paquet-là. Fait qu'il y a vraiment cette fameuse... C'est un souk à la corde d'assaisonnement, là. T'sais, c'est comme si plusieurs personnes essayaient toujours de rebalancer un potage. Ouais, t'es comme, non, il est trop salé, je le veux pas, lui! C'est Pierre-Louis qui va l'avoir. Ah, troisième place, Elawa, jeu de Johannes Goupy et Quentin Lebrun, encore, qui nous revient, mais ici, chez Bombix. Un jeu qui joue en 20 minutes, un jeu simple. C'est un peu comme le Awale. Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'Awale. L'Awale est un jeu de stratégie mathématique pour deux joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu traditionnel africain que l'on trouve dans pratiquement toutes les régions d'Afrique avec des règles différentes suivant les endroits où on le trouve. Mais en fait, ce qui le différencie de ce fameux Awale, c'est que le Mancala, c'est qu'au lieu de mettre des petits jetons partout, là, ici, tu vas aller les rechercher. Mm-hmm. Donc, il y a des cartes et tu vas aller chercher une carte qui va te donner des points de victoire en fin de game. Mais cette carte-là, il y a un petit chiffre dedans et ça va faire en sorte que tu vas aller chercher les ressources après. Et c'est grâce à ces ressources-là que tu pourras acheter de nouvelles cartes, faire de nouveaux points et that's it. Puis à la fin, quand il y a le feu a été éteint quelques fois, ben là, c'est fini! On compte les points de victoire. Ouais. C'est clever, c'est simple. C'est beau. Beau! C'est beau! On l'a dit en même temps, on fait un vœu! Je souhaite avoir envolé comme le cadeau de Noël. Ah, je vais vous avouer que c'est peut-être celui qui rentre le moins dans un bon Noël, mais ça en prend un à chaque année. Ben, il rentre. Oui, mais ça, c'est pas un bas conventionnel, là. Ben, écoute, regarde. On a ici Résistance, jeu de chez Knotts, qui est un jeu solo! Il est à l'envers! Ouais, c'est un jeu, effectivement, où en plus, il y a une thématique assez intéressante. Parce oui, pour le temps des fêtes, c'est incroyable! Ouais, pour le temps des fêtes, c'est parfait, mais jouer en solo puis créer sa cellule de résistance dans l'Espagne de Franco. Ouais, fait que c'est super intéressant. T'as fait une partie intime, Plaisir solitaire! Nouveau format de vidéo, c'était vraiment super le fun. C'est un jeu qui est méchant. Si vous avez déjà joué au poilu, c'est dans ce même genre-là de méchanceté. On a ça, mais ce que j'aime beaucoup ici, c'est que comme c'est solo, c'est toi-même qui s'améliore et qui va trouver les meilleures combinaisons possibles pour pouvoir vivre le plus longtemps, survivre le plus longtemps. Ouais. Mais qui va aussi faire en sorte que tu te déçois toi-même. Mais c'est ça, moi j'aime bien le draft de départ où tu vas choisir les cartes que tu vas mettre dans ton paquet. C'est vraiment le fun. La rejouabilité est folle. C'est un jeu qui joue en 30 minutes. Puis t'as tout de suite envie d'en faire une autre quand t'es tout seul parce que t'es avec toi-même. Je pense qu'il y a des gens pour qui le jeu solo, ça les rejoint pas du tout. Mais c'est vraiment une expérience zen que moi j'ai découvert les dernières années qui, un soir de semaine, t'as juste le goût de décrocher. T'as pas le goût d'ouvrir ton écran puis de devenir un zombie pendant une heure sur TikTok. Malheureusement, on a donné. Mais fait que c'est vraiment super de faire. T'as un défi, t'as un puzzle, tu le fais, tu le vis, puis tu peux partager avec d'autres gens aussi qui ont joué. Mm-hmm. Fait que ça, j'adore ça. Vas-y, c'est quoi ça? C'est Dieu. le top 1! Mind Up! Hey, oui, un magnifique jeu de Maxime Rambourg et de Christine Alcouf. Sérieusement, ça a été une pépite dès le premier essai. Avez-vous une partie où vous n'avez pas eu de fun, Zo, à Mind Up?
C'est comme une réussite à tout prix, à tout coup, avec tout le monde. Dans le fond, ça va être d'avoir, comment je peux dire, la meilleure rangée de points à la fin en faisant des bêtes. Fait qu'à chaque tour, dans le fond, il faut que tu mettes des cartes pour t'assurer d'avoir les cartes que tu veux. Fait qu'il faut que tu prévois le jeu des autres pour accumuler ta collection de cartes qui va te faire avoir le plus de points possible. C'est vraiment une façon, comment je peux dire ça? C'est une mécanique qu'on connaît, mais mm-hmm. qui est vraiment bien réinventée dans l'optique où est-ce qu'il y a comme un ordre de cartes. Il faut mettre ta carte dépendamment de l'ordre que tu veux avoir. C'est-à-dire, si tu mets une valeur plus petite, tu vas remporter une carte de valeur plus petite dans les cartes qui s'en viennent. C'est-tu clair comment je dis ça? C'est clair. C'est formidable. Clair. Je suis comme énervée. Puis moi, ce que je trouve aussi excessivement clever dans ce jeu-là, c'est que ton scoring, parce que c'est un jeu qui joue en manche. Mm-hmm. Donc, on va écrire sur un papier le score qu'on a, mais à la fin de chaque manche, tu vas prendre toutes les cartes que tu as scorées ouais. et ce sera ton nouveau paquet de cartes. C'est vrai. Et on rajoute une carte à ça. Oui, tu crées aussi tes armes pour les prochains tours. Je trouve ça vraiment clever. C'est vraiment facile de convaincre, entre guillemets, des non-gamers de s'embarquer là-dedans et de faire comme « Attends un peu ». Mais c'est awesome, puis t'es comme, tu viens jouer un jeu moderne! On t'a eu! T'es exact, fait que ça, tu commences avec Mind Up, puis tu finis avec Ark Nova. Oui! Ah. Mais non, c'est vraiment awesome. Puis j'aurais tendance à dire aussi que ça me fait penser un petit peu à des jeux comme le C'est ce qui prend, ou des trucs comme ça. Oui, il y a un petit peu de. Des jeux minimalistes, mais qui portent large. Alors voilà, vous avez devant vous le top 10 des jeux qui rentrent dans un bon Noël. Pour Noël, Internet, j'aimerais ça manger. On peut tout manger. Dans les Alors, Noël, c'est un temps de rassemblement, oui. de partage. Et il n'y a pas de plus beau partage que d'offrir le jeu aux gens qu'on aime. Oui. Puis avec, bien sûr, la période qu'on vit, parfois un gros jeu à 256 piastres. C'est un peu intense. Fait que pourquoi pas se tourner vers les petits jeux à 20, 30, 15 $? Parce que c'est pas parce que le jeu est petit. Qu'il est moins bon. L'expérience de jeu, c'est les amis autour de la table, c'est le jeu aussi en soi. C'est le jeu solo aussi, des fois, pour le plaisir solitaire. Alors, sur ce, je vous dirais, profitez du temps des fêtes Internet pour vous chérir aussi, parce que la personne la plus importante à nos yeux, c'est toi. Karianne. Oh, merci. Et Karianne. C'est juste ça qu'on te demande! Come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey!